La conduite ne m'intéressait plus. Et puis un jour, j'ai découvert une automobile qui m'a donné envie de prendre le volant, de conduire, de voyager. Je croyais que ça n'existait plus, c'est idiot. Cette automobile, c'est une Mercedes. La nouvelle 190. Ambre solaire. Action protectrice renforcée. Action hydratante. Action anti-vieillissement. Résistance à l'eau. Avec Ambre solaire, bronzé en sécurité. Nouveau système protecteur Ambre solaire. L'amour du soleil, le respect de la peau. Le cheval, c'est bon pour ma forme. Et pour mon corps, j'ai Jump de Mélène, mon eau de toilette déodorant. Pratique sur tout le corps et les parfums extra. Avec Jump de Mélène, je me sens bien. Jump de Mélène, eau de toilette déodorant. Pour nous, les hommes. Téléfoot, les premières images du championnat. Les joueurs, les entraîneurs, le foot étranger, la technique, la tactique et la saga du foot en images. Téléfoot, le plus complet des magazines de foot avec la participation de Catavana. Catavana, l'ouragan de l'outillage. Catavana, plus de 350 outils sur catalogue. Catavana. Toute l'actualité foot dans Téléfoot sur la Une. Dans quelques instants, les dernières nouvelles de la journée présentées par Jean-Claude Narcy. Ensuite, à minuit 25, intrigue. Un assassin trouve son maître, mais c'est un maître chanteur. Un crime chasse l'autre et le piège se referme. Une intrigue diabolique, minuit 25, le rendez-vous. Noble, sauvage et beau, le chamois est la proie favorite et le rival habile des chasseurs du massif du Taillefer. Igor Barrère est sur ses traces pour Histoire naturelle et ce, à minuit 50. Tout de suite, une dernière très bonne fin de soirée sur la Une. Madame, Monsieur, bonsoir et bonjour. Coup de théâtre dans l'affaire du petit Raphaël. Sa mère vient d'être inculpée de tentative d'assassinat avec responsabilité pleine et entière. Après avoir voulu faire croire à un enlèvement, puis ensuite à un simple abandon, elle aurait avoué aujourd'hui avoir précipité l'enfant de 21 mois du haut d'une falaise de 80 mètres. Ce soir, elle couche en prison. À Nice, notre correspondant permanent, Alex Panzani. Jocelyne Ceccarelli a quitté ce soir le palais de justice de Nice pour la prison. Et sur ses épaules pèse la plus lourde des accusations, celle d'avoir voulu tuer son enfant.